Hey, Yomina, c'est Maître Dragon, et on se retrouve pour la suite de notre let's play de Luigi's Mansion. Alors, comme vous avez vu, nous avons fait pas mal le ménage, nous avons très bien avancé. Et maintenant, nous allons devoir débloquer la zone 3. Avec la petite clé verte, nous déverrouillons la nouvelle zone. Donc la zone 3. Ah, ah oui, il y a un cœur dedans, mais on a récupéré tous nos PV. Ah bah. Nique ta mère. On descend. Et vous allez voir un beau petit truc bien sympa. Sortez-moi de là! Ça nous servira d'ouvrir la porte juste de l'autre côté. Donc on va là-bas. Un objet. Lettre de Mario. Je me demande ce qu'elle dit. Donc là, pour savoir ce qu'elle dit, ben, il faudra clairement... Ah, mais ta mère! Dégagez! Bande de saloperie! Ah, et merde, j'aurais dû faire avec la spie. Tu l'as vu? Comment ont-ils pu faire ça à Mario? Quand j'ai vu ça, j'ai perdu la boule et j'ai foncé vers le manoir pour m'y cacher. Mais... Tout au courant. J'ai remarqué que Mario avait laissé des trucs par terre. J'ai vu 5 objets, un chapeau, un gant, une chaussure, une lettre et une étoile. J'irai les chercher, si je me rappelais où ils étaient, j'aurais peut-être dû les ramasser quelques-uns. C'est vrai, tu retrouveras tous les objets de Mario? Youpi, très bien. Merci Luigi. On a déjà la lettre de Mario. Ah voilà. Regarde un peu ce physique, je suis trop fort. Tu veux me servir de punch ball, tétard? On pourrait s'enfuir, mais nous n'allons pas le faire. Alors il y a un truc à activer logiquement. Ah, faut toucher à ces machines, non? Je crois qu'il aimera pas qu'on touche à ces machines, non? Ah
ça. On va essayer de toucher au punching ball. Parce que tu veux me servir de punching ball donc. Ah oui, voilà, c'est ça. Il faut le frapper avec. Et ensuite, il va pas être content. Voilà, il va s'énerver. Ah non, voilà, faut le frapper comme ça. Mais pourquoi ça fait ça? Ça me fait une animation et ça m'empêche de d'esquiver le punching ball. C'est dégueulasse ça. Ça devrait être interdit. Alors t'as interdit une technique pareille. Ok, y a pas de clé, juste un diamant. Ça peut toujours servir. Je suis Jack Beauregard. Ok, il est de l'autre côté. Et l'autre côté où? Là, ça me permet d'aller l'autre côté. Donc maintenant c'est bon. Là. Ça, ce sera pour la glace. Ah oui, attendez, il y a un truc à faire. Voilà. Pour aller chercher le coffre. Tu peux maintenant utiliser la glace. Les fantômes de glace trouvent dans les endroits gelés. Tu les trouveras dans les frigos et autres endroits froids. Ils sortent de leur cachette quand quelqu'un approche. Tu utilises Boudrel pour recracher la glace. Bourré. On n'accepte pas les alcooliques. Je n'accepte pas les alcooliques dans mon manoir. Voilà. Ah, tchou!
C'est vrai que cette salle n'était pas éclairée. Il a dit va dans la salle de bain. Et oui, c'est juste uniquement pour ça. Voilà. Et ici, il n'y a pas de boue. Et les trucs sont coincés de l'autre côté. Ensuite, donc, c'est juste à côté. Avant, on va les faire deux. Ouais, on va faire cette salle-là. Enfin, la pièce qui est là. Et on va faire deviner après. On va. Ah, quoique, c'était pas ici. Si, si, c'est où je suis. Enfin, quoique. Dans le rez-de-chaussée. Attendez, moi je suis au premier étage. Donc là, c'est tout ce qu'on a fait. On va voilà, aller au rez-de-chaussée pour. Et je peux pas me barrer rez-de-chaussée autrement. Ah si, voilà, il y a la porte là pour aller directement en bas. Et en passant devant la voyante. Bon, en fait non, je dois passer vraiment, je dois faire tout le tour. Eh ben allons-y. Et c'est en face. Ok, donc là c'est une salle de. Salle de projection, voilà. Et... Voilà, tranquillou. Chambouin. Nickel. Mes inventions ne sont-elles pas géniales? Envoie-moi le bout, ok.
Il est plein de transpiration. Ça m'excite. Alors, t'en veux ? Ah, ça se trouve, faut le glacer. Ah non, faut lui donner un certain coup de boule. Non, quand je dis qu'il faut lui mettre des coups de boule, c'est pas coup de boule sur le front et avec des coups de quéquette. Hein. Malgré que c'est du billard, hein. Faut manier des queues. Hein. Oh putain, my god, le bruit là. Ok, donc il faut pas lui redonner 3 coups. Oh, il m'a retiré. Papa. Donc là il peut avoir qu'un obligatoirement un bout. Je suis bourrou. Voilà. Allons-y. Et ouvre-moi ça. Ensuite... Il y en avait deux ? Me regarde pas. Ça doit être un des bouts qui s'est barré. Donc ça trouve peut-être un des bouts qui s'est barré ou il y en avait réellement bien deux. Mario ! Bah ton Mario il est pas là. Va falloir aller voir la voyante. Allez, quel est cet objet que tu possèdes? Montre-le à Madame Clairvue. Mais qu'est-ce donc? On dirait le gant de Mario. Ah! Encore humide de la sueur des vivants. Est-ce que je viens de dire Mario? Le même que ce Mario-là? Je vois. Enfin, je vois tout, donc j'avais vu avant. Mais là, je vois vraiment. Tu es donc le vrai frère du fameux Mario. Et tu es venu ici pour trouver. Tu es mon frère. Excuse-moi, je rigole. Pas beaucoup ces temps-ci. Oh, les voilà. Venez à moi, esprit de pouvoir, et montrez. Et esprit de voyance. Montrez-moi les choses terribles qui ont eu lieu ici ce soir. Boule de cristal, symbole de mon clan, utilise ton sombre pouvoir pour nous montrer ce qui est à voir maintenant. Montre-nous ce Mario. Lumière des esprits, montre-nous ce que nous cherchons. Oh, je vois que Mario est toujours vivant. Il se trouve pas dans le monde des esprits. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment vivant. Mais où se trouve-t-il? Ah, les esprits se sont vus.
C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Apporte-moi un autre indice et je te montrerai ton frère. Je peux plus utiliser cet objet-là. Montre-le à Madame Clairvue. Mais qu'est-ce donc? C'est la lettre de Mario. Donne-la-moi, que je lise. Bien sûr que je sais lire. J'ai un diplôme de lecture de lettres. Voyons voir. Cherche l'hibou Luigi. C'est tout. Eh bien, ce n'est pas un romancier. Il a dû écrire ça à la va-vite. Alors. Oh, ton frère est emprisonné. Mais où est-il enfermé? Oui, c'est bien sûr. Mario a été emprisonné dans une toile. Ma boule montre. Satané boule, il y a des parasites. Ah, voilà un étrange hôtel et ton frère est au-dessus, pris dans un tableau. Je ne peux pas me concentrer, les esprits me quittent. Si tu veux en savoir plus, amène-moi encore des objets perdus. Je crois qu'on n'en a pas d'autres, de toute façon. Allez, go. Alors. Ok. Nous n'avons pas été encore dans le sous-sol. On va y aller. On va tester et voir ce qu'il y a en bas. Je sais pas à quoi ça sert ça. On se souvient plus. Ah oui, à retourner ici, d'accord. Alors clairement ici il n'y a rien. On a tout ouvert. On va devoir aller de l'autre côté, donc vers le cimetière, et voir ce qu'il y a dans le sous-sol. Et je pense qu'après bah on se laissera là. On va tenter déjà de passer par là. Mario. Clairement. Donc le tableau permet de revenir au début du niveau. Donc là, clairement, on peut que monter. Et on peut clairement passer par là. Qu'on a fait. Donc, on peut passer par là. Ensuite. Des portes sont ouvertes. Donc, on va tenter celle-là. Mais j'aimerais bien trouver un... Comment dire? Donc là, il faudrait des bougies. Enfin, il faudrait du feu. Il faudrait du feu. Là, on y est déjà venu. Donc on va passer cette salle là. Et là il faut du feu aussi. Je n'ai pas de feu. Ça m'emmerde énormément en fait hein. Passons à la belote. Allez.
Viens là, mère grand. Tu vas te faire manger par le loup. Viens là. Mamie. Ne me force pas à te faire du mal. Non. Je suis tout petit. Ah, mamie a une crise cardiaque. Mamie. Mamie, je t'ai dit de te taire, sinon on va retirer tes tuyaux. On va te retirer tes. Je vais te débrancher. C'est moi, Bouchevik. Ok, lui il a été dans le couloir. Ça ouvre où là? Au premier étage où je suis, ça ouvre une salle. La seule salle que tu peux ouvrir. Ok. Bou, reviens là! On ne peut pas te cacher indéfiniment. Ah merde, bon bah il parle des bouts, mais bon ça on s'en fout, allez go. Bon, et bah clairement on ne trouve pas de feu. On n'a pas pu brûler mamie non plus. De toute façon, on ne peut pas aller de l'autre côté. Hein. C'est un passage secret pour le moment, tant qu'on n'aura pas ouvert tout ce qu'il faut. Donc, il nous reste encore une salle à explorer ou deux. Donc, il nous faut du feu. Pour une déjà une des salles. Je crois qu'il faut aussi du feu pour l'autre salle. Ouais, pour celle-ci, il faut du feu. Donc on va essayer de passer par les escaliers qui sont là. Donc attendez, là. Là, il y a quelque chose, donc on va monter. Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est ouvert? C'est fermé. Ok. Bon bah les amis, nous on va se laisser là. On va revenir en arrière et on cherchera du feu pour la prochaine fois, parce qu'il nous en faut. Donc là on va essayer de trouver logiquement une dans la salle de bain. De miroir. Il nous faut un miroir. Voilà. Et on y reviendra avec du feu. Voilà. Les amis, nous, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.